ascendance convective. Son principe est relativement simple, donc il s'agit d'une colonne en verre échelle 1 qui a pour premier objectif de créer un effet de serre. Ça, vous imaginez que vous avez cet objet dans votre jardin, encore une fois, dans une véranda, sur un balcon. Vous avez en partie basse des trous par lesquels l'air va s'engouffrer, tout simplement parce que comme le soleil tape dessus et va créer un appel thermique, vous allez créer une cheminée en fait, une ascendance de l'air. En passant, l'air va refroidir les petites pétales bleues qui sont en fait des cellules solaires qui produisent de l'électricité et qui rejettent beaucoup de chaleur à leur verso, donc à l'intérieur du tube, ce qui amplifie la montée de l'air. Cet air va faire tourner une toute petite hélice, en gros une micro-éolienne. Et enfin, finalement, en partie haute, vous avez un échangeur thermique, des ailettes, des pales métalliques qui vont capter toutes les calories, la chaleur de l'air pour l'utiliser et le renvoyer dans des micro-systèmes de pompe à chaleur, donc qui vont produire elles-mêmes de l'énergie. Enfin, vous voyez que la partie haute de ces ascendances est évidemment ouverte, puisque pour que l'air puisse s'évacuer, il fallait qu'ils aient cette forme aérée en partie supérieure. Donc en plus, vous rejetez de l'air frais.